La résidence de la rue Madeleine-Vernet est sous le choc. Les habitants ont connu une nuit d'angoisse. Les voisins de l'appartement 17 ont été réveillés par des bruits vers 3 heures du matin. Cette voix stridente là, qui nous a sorti du sommeil, qui m'a sorti du sommeil. Parce que bon, elle a crié au secours, appelez les pompiers. Je me suis dit dans moi-même, hein, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est vrai, il y a tellement de bruit. On aurait cru qu'on cassait du bois, comme qu'il y avait du bruit. Du bruit et des cris d'angoisse, les voisins appellent alors les secours. C'est là qu'on a entendu les bruits dans les portes, quoi, les pompiers qui défonçaient la porte. C'est là qu'on s'est levé et puis qu'on a appris cette chose. Les pompiers découvrent 2 corps et une 3e personne légèrement blessée. Il s'agit du frère de la victime. Le jeune homme de 31 ans était hébergé chez sa sœur et son beau-frère depuis quelques jours. Une dispute entre eux serait à l'origine du drame. Dans le voisinage, on murmure que l'individu pourrait être mêlé à des histoires de drogue. Il a été interpellé sur place dans la nuit et placé en garde à vue.